Bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre sur cette session de formation en visioconférence. Je m'appelle Baba. On va parler ensemble de Google Ads, comment le machine learning peut vous aider à être plus performant. Donc, je pense que mes prédécesseurs vous ont expliqué un tout petit peu le fonctionnement de Google Ads aujourd'hui qui se dirige de plus en plus vers le machine learning. Faut-il faire confiance à Google? Est-ce que tout ce qu'on vous vend en termes de présentation, c'est quelque chose de pratique? Alors, je ne vais pas forcément prendre le contre-pied de tout le monde, mais je vais donner une vision de ce que devient le futur de la publicité. Et on va aborder déjà ensemble certains aspects de ce qui nous arrive aujourd'hui en tant qu'expert ou bien en tant que gestionnaire de campagne ou bien en tant qu'agence de communication ou bien en tant que traffic manager. Comment est-ce qu'on va évoluer et comment est-ce qu'il faut prendre en compte tous ces changements-là qui arrivent pour ne pas rater le train de l'avenir, on va dire, du digital. Alors, moi, j'ai travaillé en agence hein, dans un premier temps pendant quelques années. Ensuite, chez l'annonceur, un grand annonceur e-commerçant européen pendant près de 4 ans où j'ai piloté le pôle SEA sur 16 différents pays. Avant de rejoindre les équipes Google, et chez Google, je me suis occupé notamment de la formation des agences Google Partners. Donc, pour les personnes qui ont certainement été là à l'époque où on avait encore les Google Academy, donc, journée agence, journée annonceur en région ou bien en Île-de-France. Donc, c'était entre 2014 et 2016-2017. Donc, j'étais le formateur principal. Ensuite, ces formations-là sont devenues des visioconférences. On est passé dans cette partie-là où on a fait des visios. Et c'est comme ça qu'on a évolué chez Google. Et maintenant, je suis à mon compte et je fais deux choses. Je suis consultant SEA, donc j'accompagne des annonceurs sur des problématiques d'acquisition de trafic, de transfert numérique ou d'analyse d'audience. Et je forme aussi à la fois des agences de communication, des professionnels, des étudiants en école de commerce et même les équipes Google que vous voyez sur le terrain, notamment les équipes de coach qui sont aujourd'hui un partout en région. Donc, au nom de Google, j'interviens aussi régulièrement auprès d'agences de communication pour parler de la problématique Google Ads. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être des choses liées autour de la confiance que nous pouvons avoir autour des informations que nous donne Google. Donc, je pense que vous avez déjà un aperçu de faut-il faire confiance à Google, est-ce qu'on prend tout ou non? Moi, je vais vous parler du positionnement que les praticiens de Google Ads, du SEA, doivent avoir aujourd'hui face aux évolutions que nous avons en face. On est passé du web à l'Internet des objets. Bien entendu, pendant quelques années, on s'est posé la question. Donc, ceux qui ont raté le train du web dans les années 90 ont dit, allez, on ne va pas rater la révolution mobile. Donc, vous avez vu ce que ça implique. Au début, on n'y croyait pas trop. Oui, mais le mobile, on ne peut pas tout faire sur le mobile. C'est compliqué. Les gens vont encore plus de l'ordinateur. Il y a aujourd'hui la génération qu'on appelle chez Google le Next Billion User, donc le prochain milliard d'utilisateurs qui n'aura jamais utilisé Internet qu'avec son mobile. Donc, il y a certainement, dans l'audience, il y a des gens qui connaissent Internet avec l'ordinateur, ensuite l'ordinateur fixe, donc le personal computer, ensuite l'ordinateur portable. Et le mobile, et il y a autour de vous, si vous faites attention, des générations qui arrivent et qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui n'ont jamais eu accès à Internet, à part sur leur mobile. Et on va évoluer vers cela, on va arriver vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Alors, c'est quoi l'Internet des objets? C'est l'Internet of Things. Donc, on va voir qu'il y a de plus en plus d'objets connectés et ça change fondamentalement la vision que nous devons avoir ou bien que nous avons aujourd'hui par rapport à ces problèmes. Alors, moi, je vais éviter de parler d'intelligence artificielle. Je vais plutôt parler d'apprentissage automatique, le machine learning. En fait, le machine learning, c'est quoi? C'est une branche au sein de l'intelligence artificielle. C'est le tout débat intelligence artificielle dans ce qu'on va voir. Donc, c'est une façon de résoudre un problème sans coder. Et aussi, voilà, de façon explicite, on vous donne la solution. C'est une méthode qui met en place des solutions qui s'améliorent au fil du temps. Donc, le machine learning, c'est grâce aux informations qui sont emmagasinées, au fur et à mesure que l'algorithme évolue, il apprend de ses erreurs, mais aussi de ses réussites et s'améliore. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Alors, pour toutes ces personnes qui disent oui, non, pas d'automatisation, non, à l'automation, on ne va pas y arriver. Donc, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est déjà là. Dans Google Search, que ce soit le ranking, que ce soit la reconnaissance locale, c'est du machine learning. Vous êtes aperçu que quand vous tapez sur votre clavier, vous voyez que votre clavier connaît déjà un certain nombre de choses. Donc, vous commencez un mot, il finit par les mots que vous avez l'habitude d'écrire. C'est du machine learning. Il a appris de ce que vous avez l'habitude de taper pour proposer des choses.
Oui, parfois elles sont pertinentes, parfois elles ne le sont pas, mais vous voyez que dans l'ensemble, la machine a appris de ce que vous faites. Okay? Donc, vous allez sur le Play Store, les recommandations d'applications qui vous sont faites sur la base d'un apprentissage. Donc, les outils Google apprennent de ce que vous faites d'habitude. Donc, sur Gmail, si vous l'utilisez, vous avez vu notamment, en fait, les réponses intelligentes. Donc, si vous n'avez pas répondu en mail, au bout d'un certain temps, le système vous le rappelle que vous n'avez pas répondu en mail. Et il y a pas mal de choses comme ça que vous voyez qui se passent et qui vous permettent, en fait, de comprendre comment on évolue. Alors, je ne vais pas faire tous les outils, vous en voyez quelques-uns à l'écran. C'est juste une façon de vous dire qu'il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui, mais qui sont déjà parties du machine learning. Difficile de dire que ça m'intéresse pas. Alors, les outils et les algorithmes de Google ont véritablement évolué. Et en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Le champion du monde du jeu Go a été battu par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle Google. Donc, la machine a appris. Elle s'appelle AlphaGo. Elle a tellement appris qu'aujourd'hui, elle a pu battre un humain sur des jeux qui sont censés être des jeux basés sur, voilà, de la réflexion stratégique, de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, la machine a tellement appris de ces différentes défaites qu'elle est capable de battre. Donc, c'était une troisième, voire une quatrième. La reconnaissance d'image est aujourd'hui de plus en plus proche de la précision humaine. En fait, l'outil est aujourd'hui capable très fortement d'identifier des images avec un niveau qui se rapproche de plus en plus de la précision. Donc, ça veut dire que le machine learning de chez Google, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Il a appris, l'outil a appris, l'outil a appris, et on est peut-être arrivé aujourd'hui, Google estime ça à 95% de fiabilité. Donc, ce n'est pas 100%, mais ça reste relativement élevé. Sur cet écran, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple ici une hésitation sur une image. Est-ce que c'est un chihuahua? Est-ce que c'est un muffin? J'avoue qu'à première vue, j'ai un peu de mal, donc j'ai besoin de me concentrer un peu plus pour voir, alors que la machine a été capable rapidement de pouvoir faire la différence aujourd'hui. Le machine learning, ce n'est pas seulement aussi la publicité. Hein. Donc, très souvent, on présente les travers de l'automatisation à travers la publicité, des emails automatiques, des bannières qui ne sont pas très intelligentes. Mais aujourd'hui, dans le domaine de la santé, par exemple, on a eu la possibilité de prévenir la cécité due au diabète. Donc, on est capable, avec plusieurs radioscopies, voilà, de la rétine, avec plusieurs radioscopies de la rétine, on a été capable aujourd'hui, avec le machine learning, de dire, bah, un œil qui a des risques forts de cécité due au diabète ressemble à ça. Donc, il ressemble exactement à ça. Et donc, à chaque fois qu'on va faire une radio, on va venir greffer ça dans la base de données, elle va s'enrichir, elle va apprendre, et au fur et à mesure, elle sera capable de dire, attention, selon la radiographie que vous avez, il y a de fortes chances qu'on se dirige vers telle pathologie. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on en est arrivé à ce machine learning. Les informations, nous en avons des milliards, voire des milliers de gigas de données qui sont disponibles. Aujourd'hui, nous créons autant d'informations, donc de données, d'informations en 2 jours qu'entre l'apparition de l'homme sur Terre et l'année 2003. Cette phrase, Eric Schmidt l'a prononcée à Vivatech en 2017. Donc, Vivatech 2017, on nous disait déjà qu'on en était là. Donc, 4 ans après, je pense que ça allait beaucoup plus vite. Le nombre de données que nous avons, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu tellement énorme qu'on n'en revient pas. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais avec moi un disque dur de 500 gigas que je trimballais pour rapatrier mes données de mon ordinateur au cas où je le perdais. Aujourd'hui, 500 gigas, ça vous semble tellement faible, petit. Et avec le cloud, on a des capacités de stockage qui sont beaucoup plus énormes. Tout ça montre que l'outil Google a évolué et on a besoin de plus en plus de données. Et cette diversité des données, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que nous avons des parcours complexes en tant qu'utilisateurs. Vos clients potentiels, vous en tant qu'utilisateur, vous ne faites pas tout le temps la même chose. Et chaque fois que vous faites quelque chose, donc si ceux qui sont un peu à l'aise avec les données analytiques, c'est un hit. Un hit, c'est quoi? C'est une information technique qui peut faire remonter une donnée. Vous visionnez des bandes annonces de films, vous avez tellement d'informations. Vous avez le clic, l'appareil, le moment de la journée, le profil, qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous achetez une nouvelle chemise, vous recherchez des vélos de route les moins chers, vous consultez un blog de cuisine. En fait, toute la journée, on valse d'un appareil à l'autre et on a un parcours complet. Mais qu'est-ce que ça fait ce parcours complet? Finalement, mais il est où l'utilisateur, il est où le consommateur? Mais il est partout. Et il y a quelques années, on allait sur Internet. La fameuse phrase existait, je vais sur Internet. Aujourd'hui, on ne dit plus je vais sur Internet parce qu'on vit avec Internet. En fait, on a plutôt tendance à prévenir les gens quand on se déconnecte. Je vais être off. Les fameux emails d'absence pour dire je ne vais pas consulter mes mails. Tellement la norme, c'est de les consulter en permanence. Aujourd'hui, quand on s'absente, on prévient. Tellement tout le monde est habitué au fait que voilà, vous êtes dedans. Et en fait, cette multitude d'informations crée une complexité
de données à utiliser lorsque vous voulez optimiser vos campagnes. En tant qu'expert, en tant qu'agent, en tant qu'annonceur, quand vient le moment d'optimiser vos campagnes, vous vous retrouvez dans une situation un tout petit peu difficile. C'est quoi cette situation-là? Vous avez besoin de plein d'informations, de plein de paramètres pour optimiser une campagne. Est-ce que c'est les mots-clés? Est-ce que c'est les enchères? Est-ce que c'est les centres d'intérêt? Est-ce qu'il faut optimiser le moment de la journée, l'appareil sur lequel se trouve l'internaute? Est-ce qu'il faut optimiser selon le lieu, selon le taux de rebond, le chemin de conversion, les informations du CRM, les créas, la time value, l'expérience utilisateur? Autant d'informations à prendre en compte pour optimiser une campagne. Donc, si vous êtes habitué à le faire, ou bien si vous voulez améliorer une campagne, qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai une campagne qui roule entre Tokyo et Manchester, si je n'ai pas les mêmes données, mais comment est-ce qu'on utilise tout cela? Donc, on est un tout petit peu obligé parfois, en fait, de faire évoluer les campagnes, les outils pour dire, oui, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça évolue, je vais donc améliorer mes performances en faisant autant en place cela. Donc, en tant qu'agence, en tant qu'expert, en tant que spécialiste de la publicité en ligne, vous vous retrouvez dans des situations qui ressemblent un peu à ça. Donc, comment optimiser, comment avoir des meilleurs résultats, parce qu'il y a énormément d'informations à prendre en compte. Et la difficulté que vous avez, en plus de celle-ci, celle qu'on vient de voir, c'est la difficulté temporelle. Le temps, c'est de l'argent, on est tous d'accord. Donc, le temps que vous allez passer à optimiser vos campagnes, à prendre en compte tous les indicateurs qu'on a vus ici, il devient de plus en plus coûteux, il devient de plus en plus cher. Comment faire pour optimiser ce temps-là, puisque vous savez que le temps, c'est de l'argent, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comment faire pour optimiser ce temps-là, comment faire pour passer le plus de temps rentabiliser le temps que vous passez dans ces problématiques-là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Okay? Alors, aujourd'hui, si on vous demande votre rôle en tant que spécialiste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes consultant Google Ads? Est-ce que vous êtes freelance Google Ads? Est-ce que vous êtes expert SEO et SEA? Est-ce que vous gérez le marketing? Est-ce que vous êtes traffic manager? Est-ce que vous êtes juste propriétaire d'un business, gérant, fondateur et que vous avez plein de choses? Et quelle est votre aisance technique? Et donc, dans votre agenda, quel est le temps passé sur les tâches ou bien sur vos clients? Est-ce que le travail que vous faites, c'est-à-dire optimiser des campagnes, ça représente 10, 20, 5, 30% de votre temps? Et quelle est la valeur que ça représente? Si vous passez beaucoup de temps, par exemple, à faire du reporting, ça existait, hein, donc on a eu une période où gérer les campagnes, c'était 2 ou 3 jours dans la semaine, et puis il y avait une journée, souvent le vendredi, donc, qui rebutait pas mal de gens, où il fallait faire les stats. On passait une journée à faire les statistiques, à aller chercher les informations, à mettre dans des tableaux de bord. Aujourd'hui, quasiment, la plupart de ces tâches-là sont automatisées. Vous n'avez qu'à extraire un rapport, que vous commentez, que vous ajoutez, que vous envoyez au client. Il y a très peu de tâches. En tout cas, les outils sont là. Ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais les outils sont là pour le faire. Donc, vous, votre aisance technique commence un petit peu à être mise en difficulté dans cette situation-là parce que vous passez beaucoup de temps à faire ces choses-là. Et pourquoi l'automatisation va vous aider? L'automatisation va vous aider à gagner plusieurs choses. Première chose, vous gagnez du temps. Ensuite, vous améliorez les performances. Et en plus, et surtout, c'est très important, vous vous développez d'un point de vue professionnel. Vous-même, en tant que gestionnaire de ces campagnes publicitaires sur Google, vous avez gagné des compétences en plus en étant capable d'automatiser certaines tâches parce que vous allez apprendre autre chose, vous allez beaucoup plus vite et vos performances en trouvent bénéfique. Souvent, j'ai l'habitude de dire que oui, quand ce sont des petites campagnes, ça ne marche pas. C'est vrai. L'outil a besoin de données. Il a besoin d'être nourri, d'être informé, d'avoir de la documentation, de prendre du temps pour se nourrir. Malheureusement, quand on lance une campagne avec un très faible budget et qu'on vient de se lancer, on n'a pas cette historique-là. On est obligé de tout faire à la main et de gérer. L'automatisation n'est pas faite pour ces comptes-là. Ça, c'est mon parti pris et je pense que c'est le parti pris de pas mal de mes prédécesseurs. Votre temps, il est précieux. 80% du temps que vous passez sur vos campagnes aujourd'hui, il est sur les tâches manuelles qui ne sont pas très stratégiques sur vos campagnes. On va passer du temps à gérer des annonces, des mots-clés, à faire du reporting, à gérer des enchères. À quel moment vous réfléchissez à la stratégie globale? La stratégie publicitaire, la stratégie Google Ads? Est-ce qu'il faut aller conquérir de nouveaux marchés? Tellement vous passez du temps sur des tâches chronophages manuelles qui aujourd'hui peuvent être automatisées. Donc, votre positionnement doit évoluer. Alors, aujourd'hui, vous, votre valeur ajoutée, c'est le campaign manager. Donc, vous passez du temps à gérer cette campagne-là. Et puis, très bientôt, vous pouvez ajouter de la valeur et être différent des autres acteurs du marché en proposant des choses en plus. Ces choses en plus, ça peut être quoi? Le reporting, par exemple. Est-ce que vous faites du reporting? Ces choses en plus, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, le campaign management. Est-ce que vous gérez directement vous-même vos campagnes? Si ce n'est pas le cas, vous allez passer à ce qu'on appelle le data management. Et le data management, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir manager des données que vous avez de façon globale et de pouvoir les exploiter pour avoir les résultats beaucoup plus performants. Donc, votre marketing devient de plus en plus stratégique
et vous entrez dans une phase où vous analysez même l'attribution. L'attribution, c'est quoi? C'est votre capacité à pouvoir attribuer à telle campagne ou bien à tel levier les résultats de votre marketing global. Le marketing opérationnel, le marketing digital, il comporte plusieurs leviers. Vous avez fait une campagne qui a été reprise sur plusieurs canaux ou bien sur plusieurs campagnes qui ont aider à réaliser ce chiffre d'affaires-là, mais comment vous attribuez la performance? Qui a fait quoi? Qui a apporté quoi? Et c'est comme ça que vous allez apprendre régulièrement pour pouvoir évoluer. Donc, vous, en tant qu'expert, ou bien en tant qu'agence, ou bien en tant que traffic manager, ou bien en tant que gestionnaire de business, vous devez évoluer rapidement vers des aspects beaucoup plus stratégiques parce qu'il est avéré que la machine va vous remplacer de petit à petit sur certaines tâches que je vais appeler des tâches avec peu de valeur ajoutée. Par exemple, est-ce que c'est la bannière bleue qu'il faut mettre ou bien la bannière verte? Il y a quelques années, eh bien, vous mettiez la bannière bleue, la bannière verte, le matin, le soir, et vous testiez, ou bien vous faisiez un A/B testing, et vous regardez celle qui performe le mieux, et vous mettiez l'autre en veille. Aujourd'hui, vous donnez les deux bannières à Google, et vous croisez les bras. Dès qu'il découvre la bannière qui marche le mieux, eh bien, il l'optimise, et vous n'avez pas besoin d'intervenir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fait toujours pas. Ça marche toujours, ça A/B testing. Donc, je mets ça, je regarde les résultats moi-même, et je prends des décisions. Par contre, l'outil aujourd'hui est capable de le faire. Donc, le temps qu'on perdait à mettre deux titres différents, trois titres différents, quatre, cinq annonces différentes pour dire est-ce que c'est la bonne ou bien c'est la mauvaise annonce, qu'est-ce qui va marcher. Aujourd'hui, on donne 15 titres à Google, 4 descriptions, on laisse la machine se débrouiller. Au bout d'un certain temps, cela nous donne des résultats et on voit ce qui marche le mieux. Et l'outil, de toute façon, ne nous dit même pas que c'est ça qui marche le mieux. Il va vous montrer les combinaisons qui marchent le mieux et il va commencer à optimiser tout seul. Et qu'est-ce que vous allez faire le jour où vous devez réécrire de nouvelles annonces ou bien de nouvelles créas? Vous allez apprendre de celles qui marchaient le mieux parce que vous avez la donnée et vous allez vous en inspirer pour créer de nouvelles. Donc, n'hésitez pas. Donc, vous avez un lien avec les questions donc, que vous voyez en haut. Donc, slides.app.google.gl/tp3em. Donc, posez vos questions en direct et je réponds pendant la présentation. Je répondrai directement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en live pendant que vous regardez cette vidéo. Je vais rapidement aussi, pendant qu'on présente, je vais pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire ici? Donc, c'est vous qui devez prendre les devants et évoluer. Donc, effectivement, je rencontre beaucoup de professionnels hein, et c'est ma conviction aussi qui me dit, oui, mais si demain Google automatise tout, nous, on sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La question qu'on se devrait se poser, c'est que est-ce que les outils de Google ne font pas des choses qui n'avaient peut-être pas de valeur ajoutée pour nous? Passer 4 heures de temps à faire un tableau sur Excel avec les conversions, les clics, avec la donnée pour mettre en rouge la campagne qui a bien marché ou bien qui a le moins bien marché, en vert la campagne qui cartonne le mieux et dire à votre client, regardez si ça marche. Si j'ai un outil qui est capable de le sortir en un clic, pourquoi je vais y passer mon après-midi? Et aujourd'hui, on est sur beaucoup de plus de difficultés. Par exemple, combien de recherches sont faites chaque jour à travers Google, à travers le monde? On nous parle de 4 milliards de recherches. Donc, aujourd'hui, il y a 4 milliards de recherches qui sont faites chaque jour sur Google à travers le monde. Et sur ces 4 milliards de recherches, il y a un grand potentiel de recherche qui aujourd'hui n'est quasiment pas couvert. On parle de 15% de requêtes inédites. Qu'est-ce qu'une requête inédite? C'est une nouvelle requête qui n'a jamais été enregistrée sur Google et qui peut-être ne reviendra pas. C'est lié à l'actualité, c'est lié au sport, c'est lié à un changement climatique, c'est lié à un événement politique, c'est lié à un événement culturel, c'est lié à un événement social. Ça peut lier pas mal de choses, mais ça revient et c'est pas de monde. Combien de formats d'annonces disponibles existent? Il en existe 2000. Alors, sur les 2000 formats qui sont sur le web, quel est le format qui marche pour vous? Imaginez que vous deviez être là à tester chaque fois le bon format pour dire, bah, finalement, ce n'est pas le bon, on change. Alors que vous avez la possibilité de donner un visuel et un texte à Google, et il crée le bon format, il se débrouille tout seul, vous n'avez plus besoin d'intervenir. Donc, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin d'intervenir régulièrement pour moi, pour mettre ces visuels-là? Donc, vous avez vu, notamment sur le display, que vous avez la capacité de créer en fait, voilà, une campagne display automatisée en fournissant du texte et de l'image et parfois même du son et de la vidéo à Google. Et le Schmilblick se débrouille pour vous créer, en fait, ce qu'il faut, ça fonctionne. Donc, vous n'avez pas la possibilité de tout tester. Faites confiance à Google, il testera tout et il vous dira. Aujourd'hui, un account manager, j'imagine que ce n'est pas votre rôle à tous. Voilà, un gestionnaire de compte, il va passer, ou bien un account strategy, il va passer à peu près 80% de son temps sur de l'optimisation manuelle. C'est peut-être quelque chose qu'on peut utiliser autrement. Donc, si votre temps est lié à l'optimisation manuelle, la gestion des mots-clés, des enchères, vous n'avez que 20% pour passer à la stratégie digitale de votre client ou bien de votre entreprise. Donc, si vous êtes expert Google Ads, Traffic Manager, donc vous n'avez que 20% pour parler à votre client, le temps pour lui parler de la stratégie.
Si vous êtes traffic manager en interne, vous n'avez que 20% pour aller voir les autres équipes, parler de stratégie commerciale, voir le développement des produits, les nouveaux axes, tout ça, parce que vous passez beaucoup de temps à gérer les campagnes manuellement. Alors, tout ça veut dire quoi? On vient de voir, en fait, j'ai fait un tableau pour brosser, pour vous dire voilà, à quoi ça ressemble, vers quoi il s'énerve, vers quoi. Quel est l'avenir aujourd'hui avec la publicité pour Google? Vers quoi on se dirige? Alors, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a des signaux qui nous parlent. Il y a des signes qui nous parlent, qui nous disent où est-ce qu'on va. Les solutions ads deviennent de plus en plus basées sur le machine learning, que ce soit la gestion des budgets, des enchères, les créas, j'ai parlé tout à l'heure de plusieurs formats de créas, que ce soit les rapports, l'attribution, c'est géré aujourd'hui par le machine learning. Et même la création de campagnes sont facilitées. Aujourd'hui, par exemple, il y a les Universal Ad Campaign, vous donnez votre application et votre objectif de coût par interaction ou bien coût par téléchargement, et Google se débrouille pour faire du YouTube, du display, du search à la fois. Donc, il y a de plus en plus de solutions qui sont basées sur le machine learning. Donc, il faut se poser la question, comment fait Google pour être aussi bon que moi? Alors, est-ce que vous avez vu la rapidité de ce clignement d'œil? Ça va vite. Eh bien, Google est capable d'analyser 70 millions de signaux en un clin d'œil. Vous avez le mot-clé, l'heure, l'appareil utilisé, la localisation géographique de l'internaute et sa requête. En plus de tout ça, Google a 70 millions d'autres informations analysées lorsque la personne recherche ou bien lorsque la personne est sur l'Internet en train de naviguer. Donc, comment battre une machine qui a 70 millions d'informations de plus que vous? Et ce sont des signaux qui évoluent. Les systèmes d'exploitation, la situation géographique, l'intention géographique. Parce que parfois, il y a de l'intention. Je veux un plombier à Paris alors que je suis à Nice. Peut-être que je cherche un plombier pour ma mère à Paris. C'est possible. Donc, toutes ces informations-là, Google les a. Les listes de remarques, les caractéristiques de la langue de l'interface, le navigateur, les avis sur les applications mobiles, ça commence à sortir. Les attributs de produits que vous avez renseignés. Le comportement, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter sur le display juste uniquement ou bien qui l'achète que sur les campagnes de search? Et maintenant, la saisonnalité, même la saisonnalité du produit en shopping. Google est même capable de comprendre que maintenant, les lunettes de soleil, vous avez beau faire une campagne superbe au mois de décembre, vous n'en vendrez pas autant qu'au mois de juin. Donc, il va le prendre en compte dans son algorithme pour optimiser vos clics, pour optimiser vos campagnes ou vos conversions, pour vous trouver en fait la meilleure valeur possible à ce moment-là. Des informations qu'on n'avait pas. Donc, régulièrement, l'outil s'améliore. Donc, je n'ai pas toutes les informations, je ne connais malheureusement pas les 70 millions de signaux et je ne pense pas que serais capable. Et ça donne ces choses-là. Et on va se diriger vers des stratégies d'enchères de plus en plus intelligentes. Vous voulez de la visibilité? Il y a les taux d'impression. Mesurez les parts d'impression. Vous voulez du trafic? La stratégie maximiser les clics, donc ici je le mets en vert, est désormais remplacée par budget quotidien moyen. Donc quand vous choisissez cette stratégie sur votre interface Google Ads, budget quotidien moyen, vous dites à Google, je veux plus de clics. Peu importe si ça convertit ou pas. Et vous avez en rouge les stratégies orientées pour les e-commerçants, le CPA par exemple, la valeur de la conversion. Alors, la valeur de la conversion, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que Google a estimé que tous les clics ne se valent pas, toutes les ventes ne se valent pas. Faire 15 conversions, parfois vous en faites 10 et vous faites plus de chiffre d'affaires. Je prends un exemple, vous vous appelez Amazon. Quand quelqu'un tape Amazon, il y a quelqu'un qui cherche une paire de chaussettes à 10 euros et quelqu'un d'autre qui cherche un réfrigérateur à 1000 euros. Si l'algorithme doit se concentrer sur son budget, peut-être que vous préférez concentrer votre budget sur ces personnes-là qui cherchent un réfrigérateur à 1000 euros. Et pourtant, la personne a tapé Amazon, c'est le même mot-clé. Par contre, Google, c'est qu'auparavant, cette personne-là a fait des recherches et elle est dans une audience, dans une démarche très, 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 une audience très mûre. Hein, donc, on appelle ça, voilà, les audiences d'intention, donc des audiences sur le marché, des gens qui sont vraiment prêts à acheter. Et ces audiences-là, Google a ces informations-là que vous n'avez pas malheureusement. Donc, vous donnez le signal à Google, allez, vas-y, cherche-moi ces personnes-là. Et il est capable de dire que lui, il cherche une paire de chaussettes à 10 euros, c'est pas grave, on l'oublie. Lui, il cherche un réfrigérateur à 2000 euros. Comme il me reste un seul budget, il me reste 50 centimes pour aller chercher le dernier clic qui me reste dans mon budget, eh bien, je vais me concentrer sur Pierre et pas sur Paul. Donc, c'est pour ça que vous voyez que beaucoup, si vous travaillez régulièrement avec vos account managers, on va vous pousser de plus en plus de stratégies basées sur la valeur de la conversion. La difficulté, c'est que si vous n'avez pas de chiffre d'affaires à mesurer, eh bien, vous vous dites, oui, mais comment je mesure la valeur de la conversion? Eh bien, vous pouvez le faire manuellement aussi. Comment le faire manuellement? Vous vendez des appartements et vous vendez des villas. Vous savez que les appartements valent deux fois moins cher que les villas. Vous pouvez mettre des ratios de 1 et de 2 sur vos
valeur de conversion, dans la partie création de conversion. Et lorsque vous mettez cette information-là et que vous demandez à Google de maximiser la valeur de la conversion, eh bien, il va prendre le 2 le plus souvent. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas seulement d'obtenir plus de conversions. Donc, parfois, si c'est le cas, maximiser juste les conversions. Mais aujourd'hui, les gens se battent de plus en plus pour obtenir plus de valeur de conversion, donc notamment en ignorant parfois des clics. Donc vous perdez en part d'impression, c'est possible. Vous perdez en visibilité, c'est possible. Par contre, vous dépensez 10 000 euros, vous en faites 100 000. Demain, vous dépensez 10 000 euros, vous en faites 150 000. Parce que vous avez laissé tomber tous les clics qui peut-être vous rapportent du chiffre d'affaires, mais pas assez. Et donc, ça va vous permettre peut-être d'augmenter votre budget. Donc, les solutions d'entière intelligente, entièrement automatisées, génèrent de meilleurs résultats. Donc, on a constaté, donc ça, c'est des moyens qu'on a constatés sur les comptes l'année dernière chez Google, des moyens qu'on constate d'évolution. Selon certaines stratégies qui ont été mises en place, qu'est-ce que ça a pu générer? Donc, entre 7% et 35% d'évolution de plus de chiffre d'affaires. Donc, quand vous mettez ces stratégies-là, attendez-vous à avoir un chiffre d'affaires supérieur, que ce soit sur Shopping, que ce soit sur le réseau de recherche. Alors, il n'y a pas de données sur le display, sur YouTube, ainsi de suite, parce que c'est des leviers qui commencent encore à apprendre, qui ne sont pas forcément orientés à 100% conversion, valeur de conversion, mais ça arrive. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont déjà en place qui orientent ces leviers-là vers la conversion. Donc, maximiser la conversion aujourd'hui, c'est à partir d'un budget donné. Donc, on dit à Google, j'ai le même budget, mais rapporte-moi le maximum de valeur de conversion. J'ai 1 000 euros. Habituellement, j'en ai 3 000. Ce n'est pas grave, j'ai toujours 1 000 euros, mais je veux 5 000. Et donc, le système va, au lieu de chercher juste des conversions, va aller regarder la valeur. Bien entendu, il faut mesurer la valeur des conversions. Il faudrait que le chiffre d'affaires soit remonté sur Google Ads, donc le tracking e-commerce. Donc, ça, c'est les problématiques de tracking que vous verrez certainement avec votre account manager ou bien vos spécialistes techniques au sein de votre entreprise. Les conversions aussi sont analysables au niveau de votre campagne. Pourquoi? Parce que le smart bidding, c'est à vous de les guider. Parfois, au sein de votre compte, vous avez plusieurs conversions. Vous avez les formulaires, vous avez les appels, vous avez les ventes, vous avez les demandes de rendez-vous. Ah, alors, dire à l'outil, allez, optimise-moi les conversions, il va tout optimiser. Sauf si vous lui dites, oui, c'est ça que je veux inclure dans mes conversions optimisées. Donc, vous avez la possibilité de choisir les actions de conversion que l'outil prend en compte pour les optimiser. Aujourd'hui, c'est disponible sur tous mes comptes, sur le search history, et désormais, ça c'est récent, ça date de moins de 6 mois. Sur YouTube aussi, vous avez cette possibilité d'intégrer ces choses-là, donc d'intégrer en fait les conversions qui vous intéressent, parce que toutes les conversions n'ont pas de valeur parfois, alors que parfois c'est mesuré. Je me suis retrouvé à auditer des comptes ou visiter une page, j'ai une conversion. Donc, vous avez parfois même plus de conversions que de clics, ce qui est anecdotique, mais qui ne va pas aider la machine à fonctionner. Donc, bien entendu, pour réussir sa campagne automatisée, eh bien, il faudrait avoir des données qui sont fiables. Vous avez aussi accès à ce qu'on appelle les smart creatives. Qu'est-ce que c'est que les smart creatives? Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Gmail, que ce soit sur Google Discovery, vous fournissez en fait des informations avec les campagnes Discovery et Google va trouver automatiquement le bon format, la bonne taille, la bonne bannière, le bon texte à mettre sur ces interfaces-là. Aujourd'hui, la page d'accueil sur mobile de Google, donc Google sur mobile, la page d'accueil que vous avez, vous avez automatiquement des bannières qui apparaissent sur cette page-là. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette bannière-là? Vous pouvez utiliser, optimiser des choses pour pouvoir directement évoluer, aller chercher des évolutions, aller chercher des créas qui sont beaucoup plus poussés, les optimiser, faire plus de créas, en faire moins, ainsi de suite. Vous avez le RSA. Donc, le RSA, c'est aussi les Responsive Search Ads. Donc, vous donnez à votre Google 15 titres et 4 descriptions et vous créez le bon message pour la bonne personne. Donc, automatiquement, il le fait. Vous n'avez plus besoin de dire « je mettais l'annonce, une deuxième, une troisième. » Vous créez une seule annonce avec plusieurs titres, avec plusieurs descriptions et la machine fait tourner et trouve le bon format. C'est aussi le cas sur le DSA, sur les requêtes dynamiques. Donc, le DSA, ce sont ces annonces dynamiques où vous n'avez pas besoin de rédiger quelque chose. Vous n'avez pas la main forcément pour rédiger les annonces. Vous mettez juste une description et le DSA va automatiquement aller chercher en fait le bon titre à afficher pour la bonne personne en fonction de sa requête de recherche, en fonction parfois du titre de la page. Donc, l'outil peut utiliser plusieurs informations pour afficher l'annonce pertinente auprès de l'internaute. Et vous avez les Responsive Display Ads. Les Responsive Display Ads, c'est quoi? Je donne à Google de l'information, il va aller me créer en fait une manière responsive. Donc, je lui donne un visuel, je lui donne un texte, et quelle que soit la taille de la bannière qui est réservée sur le site internet, l'outil s'adapte et il me crée la bonne bannière. Je n'ai plus besoin de le faire. Vous avez aussi des éléments vidéo dans les annonces responsives. Aujourd'hui, Google nous donne la possibilité de générer automatiquement des vidéos à partir de vos images. Ou bien vous pouvez vous-même créer ces vidéos-là et venir les intégrer sur des images. Comme vous le voyez ici, par exemple, on a une petite animation qui se déclenche, voilà, si vous le souhaitez, vous activez le son ou pas. Donc, par défaut, le son est découpé. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu des animations en display. Donc, des petites vidéos sympas qui arrivent sur le display. Alors, tout ça pour vous dire que
Avec plus d'un milliard d'utilisateurs sur chacune de ces 7 plateformes, il est impossible que Google ne connaisse pas votre utilisateur. Si vous n'utilisez pas Google, tout court, vous utilisez Android, sinon vous utilisez Gmail, sinon vous utilisez en fait le Play Store, ou bien Chrome, ou bien Google Maps, ou bien YouTube. Il suffit que vous touchiez à une de ces interfaces pour que le système puisse savoir qui est là. Et tous ces signaux-là, ça permet à l'algorithme de mieux vous connaître, d'améliorer son expérience et de connaître vos centres d'intérêt. Donc, même si on se dirige vers un univers cookie-less, l'utilisation que vous avez de ces plateformes-là permet à Google quand même de vous suivre à la trace, de savoir ce que vous faites régulièrement. Le smart learning va devenir de plus en plus fort. Excusez-moi. Le machine learning avancé prend des décisions pertinentes qui sont basées sur la multitude de données. Donc, précision, fréquence d'optimisation incomparable, recherche de signaux qui sont enrichis. On ne pourra pas battre la machine. Alors, quand on a des petites campagnes qui démarrent, oui, mais lorsque les campagnes commencent à devenir volumétriques, ça commence à prendre forme. Pour accélérer, ce n'est plus une gestion manuelle. Il faut du smart bidding. Bien entendu, tout n'est pas parfait. C'est à vous de nourrir la machine parce qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle. On a parlé de machine learning. Vous voyez la différence? Donc, c'est vous qui avez appris à la machine qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est vous qui l'avez dit à la machine. Moi, c'est tel type de conversion qui est bien pour moi, c'est tel type de chiffre d'affaires qui est bon pour moi, c'est tel type de revenu, retour sur investissement qui est bon pour moi. La machine a compris et puis la machine va optimiser en fonction de cela. C'est à vous de dire cela. Le futur de Google Ads, c'est quoi? Alors, pour moi, c'est le nouveau type de campagne qui a été présenté cet été, donc qui arrive progressivement sur tous les comptes, c'est Performance Max. Google va s'orienter sur tous ses leviers en performance. Que ce soit sur la recherche Google, le display, la plateforme Discover sur la fameuse interface mobile, que ce soit sur YouTube, vous donnez des informations, donc vous donnez des textes, vous donnez un produit, vous donnez des images, vous donnez des visuels, vous donnez toutes les informations que vous avez à l'outil et automatiquement, il va trouver, lui, le bon internaute, le bon client, où est-ce qu'il peut se trouver. Qu'il soit sur le search, sur YouTube, il va lui créer la vidéo qu'il faut ou bien la bannière qu'il faut. Sur le display, il va lui créer la bannière. Sur le search, il va lui rédiger l'annonce qu'il faut. En fait, vous pilotez juste la performance. Donc, Google Ads devient un outil à la performance. Vous regardez, est-ce que j'ai plus de chiffre d'affaires ou bien est-ce que je vais mettre plus de budget, est-ce que je m'adapte? Mais est-ce que je fais du search, du display, du Google search, du YouTube? Google estime que désormais, vous n'avez plus besoin de décider de ça. L'internaute, c'est le même. On va le retrouver sur les 7 plateformes avec plus d'1,5 milliard d'utilisateurs. On se débrouillera pour le trouver. Donc, même si la personne n'utilise pas Google, elle utilise Bing, mais elle va régulièrement sur YouTube, on pourra la retrouver et lui proposer la publicité qu'il veut. Donc, dans quelques années, ce sera quoi? Je vends des pommes, j'ai 1 000 euros de budget, je veux 10 000 euros de budget et on croise les bras. Et l'outil se débrouille. Alors, ça semble faire peur, effectivement. J'avoue que ça semble futuriste, mais le futur, c'est maintenant. Donc, commencez déjà à présent à poser les indicateurs qui sont intelligents, qui parlent de votre business. Commencez déjà à présent à poser le tracking comme il le faut, à mesurer tout ce qui peut être proche de la performance chez vous pour que lorsqu'on arrive à ce switch-là, vous ne soyez pas surpris. J'ai appris récemment que le ETA, le fameux où on rédige des annonces extensive text ads, donc les annonces classiques, va être supprimé. Le seul format qui va exister, ça va être le responsive search ad. Alors, pour l'instant, Google existe en search, Google existe en YouTube, en display, mais peut-être que dans quelques années, on dira, stop, tout ça, ça n'existe pas, vous ne choisissez même pas votre mot-clé, donnez-moi votre URL de produit ou bien vos flux, on s'arrête là, le jeu se débrouille. Ça marche ou ça ne marche pas, aujourd'hui, ça marche. Peut-être que dans quelques années, ça ne marchera pas et Google fera machine arrière. Aujourd'hui, ça marche pour les annonceurs qui sont patients, qui ont le bon tracking, qui ont assez de données, et qui sont capables d'aller chercher ces leads-là pour y arriver. Donc, anticipez dès maintenant en changeant déjà votre paradigme, votre vision. Donc, pour moi, le premier axe, c'est de dire qu'est-ce qui est la performance sur moi et comment je la mesure. Et je nourris dès à présent les algorithmes de Google avec des informations sur ce qui est performant pour moi. Je leur donne des informations de conversion qui sont pertinentes. L'outil apprend, même si je ne l'utilise pas, c'est le bidding. Et le jour où je décide de passer dessus, eh bien, l'outil a assez d'historique pour apprendre de ce qui s'est bien passé. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça a été clair. Voilà, pour ma part, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bien entendu, ce n'est pas parole d'évangile. C'est un ensemble de points qui me semble important aujourd'hui que je partage avec vous. N'hésitez pas à faire remonter vos questions là en live, sinon à me rejoindre sur les différents réseaux pour échanger sur les différents sujets que vous avez vus. Alors, la petite question sympa pour vous permettre de gagner un mug. Combien de signaux Google peut-il analyser en moins de 400 millisecondes? J'ai montré tout à l'heure avec le fameux clignement des yeux. Je pense que vous avez peut-être pu le voir. Je vous laisse trouver la réponse. Et puis, la personne qui trouvera, bien sûr, vous pouvez répondre directement, soit en me contactant sur Twitter ou bien sur le chat ou bien directement ici, sur cette plateforme-là,
sur le lien que vous avez et je pourrai répondre en direct. Donc, merci à tout le monde. J'espère que ça a été clair pour vous. Pour ma part, je vous dis un grand merci. Merci de nous avoir rejoints en tout cas sur cette session. Donc, la réponse, je pense que vous en souvenez. Donc, et là, pour les personnes qui ont répondu dans les délais, merci. Merci à nos sponsors qui nous ont accompagnés sur cet événement. J'espère en tout cas pour ma part que vous avez appris quelque chose en nous suivant. Je vous remercie infiniment de votre patience, de votre écoute et de votre participation aussi. J'espère aussi avoir répondu à vos questions dans la foulée. Je me garde encore quelques 5 minutes en restant avec vous sur le lien des questions pour répondre à ces questions-là. Merci à tout le monde. Merci de votre participation et à très bientôt.